Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui l'élu du Sud-Est, le sénateur Wenceslas Lambert. Avec notre invité ce matin, on va très certainement commenter l'actualité, comprendre ses réactions depuis la publication du rapport de la commission présidentielle consultative. Sénateur Lambert, bonjour, je me dis déjà, c'est avec un peu de plaisir qu'on a accueilli au matin dans le studio d'Elma 52 de Radio et Télémétropole. Bienvenue encore une fois. Merci Wendel. Bon, Mabdou, bonjour Wendel. Bonjour Haïti. Bonjour Haïti. Bonjour Sud-Est. Et bonjour à toutes Haïtiens et Haïtiennes qui ont suivi l'émission ça à travers l'Internet dans la diaspora. Sénateur Wenceslas Lambert, en pile monde, présentez-vous, la presse surtout, présentez-vous comme un proche du gouvernement ou encore, ou plus précisément comme un proche du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Et non, pas qu'être réaction qui joignent nous, ou c'est un monde qui exprime désaccord à rapport. Et la réaction que nous fait, je pensais que c'est d'abord parce que dès le départ jusqu'à aujourd'hui, on est toujours supporté M. Lamotte. Et deuxièmement, il y a un monde qui pensait que réaction non vient du fait que il n'y a pas mentionné une prolongation quelconque du mandat des parlementaires. Première réaction, sénateur. Bon, ma première chérie, elle, et pour question ça, c'est une question très pertinente que vous posez, moi, et qui m'a dit une réponse précise. Et donc, c'est ça qu'on obtient. Mm-hmm. Voilà. Et effectivement, et moi, j'ai un rapport hautement politique avec le citoyen Laurent Salvador Lamotte. Un rapport très serré. Et, mais en ce qui a trait à défense ou à prendre, nous prenons pour deux raisons. Un, parce qu'il s'agit, il y va du pays. Donc, le pays qui est Haïti, et nous sommes tous conscients que il y a des bagages qui ne marchent pas là-dedans. Le premier bagage qui ne marchent pas là, c'est la tolérance. C'est-à-dire, il est vrai d'où il y a opposition, dans tout pays du monde, l'opposition existe, mais ce n'est pas forme d'opposition sahéo qui existait. Au bon président qui est élu au suffrage universel direct, qui a un mandat qui est défini dans le temps et dans l'espace par la Constitution, et qui gagnait évidemment pour le passer 5 ans, et où je n'ai une opposition qui m'a dit le mec en bas porte avant même que mandat, avant même échéance mandat. Est-ce que ça, son opposition éclairée? Je dis non, il va éclairer. Moi, rappelez-moi Héraclite d'Éphèse, qui c'est un philosophe antique, qui dit les hommes éveillés n'ont qu'un monde, mais les hommes endormis ont chacun leur monde. Mm-hmm. Je n'ai jamais dit à si n'est-ce pas faire politique, il faut faire de façon éveillée. Il ne faut pas faire lire pendant que vous avez exploité tes affaires personnelles au détriment des affaires de l'État, au détriment des affaires du pays. Nous connaissons déjà l'opposition que nous suivons, ou même qu'on suivre comme leader d'opinion. On prend par exemple en Angleterre. Il y a opposition. Que relé le shadow cabinet. Qui j'en relé le conseil. C'est parce que donc il y a toujours des gouvernements fantômes qui opposaient à gouvernement légitime qu'il a. Et gouvernement fantôme non, seulement là pour faire des recommandations éclairées, objectives à gouvernement légitime non, à chaque fois qu'on faut pas que fait. Mais c'est pas Jean ouais au dire là, mes clients bas pour c'est pas ça au fait parce qu'on est on élu faut le faire mandat. Bref, rapport à... On peut mettre que je réagisse sur ça, ce dia-là. Oui, on peut réagir. Il y a des gens qui parlent du tout que, bon, il y a un antécédent. Par exemple, du conseil que Jean-Bertrand Aristide n'a pas fait de faire mandat, notamment des... C'est là que je viens avec vous. C'est là que je viens avec vous. Je suis bien content de venir avec vous. Comment t'as voulu... Je vais rentrer d'emblée, Wendel. Allez-y. Voilà. Oui. Comment t'as voulu pour que Jean-Bertrand Aristide, qui te commence son travail social dans un pays, commencer à construire maison, hein, faire un projet habitat pour retirer les gens qui n'ont pas le toit sur la tête. Bah, au chance au moins, on joue pour gagner le toit sur la tête. Et soudain, brusquement,
il a coupé mandat, il a coupé l'an. Et l'an de progrès, il a coupé l'an route. Une fois, une deuxième fois encore, il a coupé l'an. Et je vous dis, là, le président Martelly, dans l'espace de 3 ans et 3 ans et demi, avec Laurent Salvador Lamotte comme premier ministre, il y a un ensemble de travaux d'envergure qui est engagé à travers toute la République. Et je regarde dans le rapport là, qui s'est demandé démission du chef du gouvernement. Qui Haïti nous voulait? Laurent Lamotte, c'est lui-même qui conférait à régime Martelly à Samedi Carole bilan. C'est lui qui bail bilan. Il y a un ensemble de travaux que M. engage. Mais ce n'est pas un mec qui dominant. C'est 2 heures de temps que M. fait pas au jour d'homme. Il travaille nuitamment, journellement, pour le bien du pays. Et pour un mec qui dit qu'on y a à aller. C'est ça qui fait nous tout voir marcher à reculons dans le pays d'Haïti. À chaque fois qu'il y a des bagailles qui annoncent pour extirper le peuple de misère, de conditions matérielles d'existence, pour ton changement dans les conditions, eh bien, où vient l'autre secteur d'où aller, couper. Et c'est toujours opposition qui a fait. Je ne veux dire là, qui a été nouvelé. Regardez pour eux, des recommandations qui fait là. M'a gardé libération prisonnier politique, dans mesure d'apaisement, démission du chef du gouvernement, démission du président du CSPJ, démission du SAP. Alors, juste avant de revenir en face dans la recommandation, il y a eu un point fondamental. À savoir. Par exemple, ils ont demandé pour gagner des mesures d'apaisement. La commission a même souhaité une trêve. Et là, nous dit trêve. Alors, c'est pour moi qui était dans la lignée, puisqu'on a parlé d'opposition. Et ils ont demandé trêve. Trêve là, qui a sous-entendu que font ils camper sous manifestation de Rio. Si on a fait une nouvelle aujourd'hui, on va attendre une réaction Madame Miranda Hippolyte Maniga, par exemple. Elle dit. De quel droit la commission a demandé pour l'opposition à observer une trêve? Bon, je n'ai même besoin de parler de ça que l'opposition que nous présenté comme l'aile dure ou bien l'aile radicale de l'opposition, qui a même a tout dit clairement que n'est pas concerné, n'est pas engagé, ben, ça n'a pas engagé. Ça veut dire que manifestation pirède. Wendell. Et finalement, excusez-moi sénateur, finalement, vous autres parlementaires, le président de la Chambre des députés, le responsable du bloc majoritaire au niveau, pardon, au niveau de la Chambre des députés, et ou même, et supposé que tout groupe, tout bloc pour le là, G5. Le G5, donc nous contester le rapport là. Est-ce que ça veut dire que l'avenir rapport là, hypothétique, est très hypothétique, Wendell. C'est parce que son mesure unilatérale qui te prend. Et je crois que c'est... L'argument qui n'est pas d'accord avec ce soutien unilatéral. Unilatéral. Dans la mesure où il y a un petit peu ressemble... Une mesure d'engagement comme ça, qui va l'engager la République là, il est supposé résulter obligatoirement des institutions républicaines. Pas bien que nous n'avons état de droit. Là. Et article 59 à 60-1 de la Constitution parle de la séparation des pouvoirs dans la Constitution. Que chaque pouvoir grand monde. L'immatériellement impossible pour une pouvoir yo, que le peuple a bon pouvoir pour que c'est vous-même qui agit et puis pour aller un citoyen vient agir pour venir faire vous. Sans légitimité constitutionnelle. Pour aller venir agir pour faire des recommandations. Et m'estimer recommandations, yo, bon, digne de son nom, recommandations. Maintenant, il y va du président de la République. De apprécier Sao Bali. Hein, parce que Sao Bali a presque engagé seulement lui-même. Il est presque engagé sur le président. Que c'est sa commission, c'est lui le président. Exact. C'est sa commission, c'est lui le président, mais il n'est pas le président du Sénat, il n'est pas le président de la Chambre des députés, il n'est pas le président du CSPJ. Oui, mais il est le président de tous les Haïtiens. Voilà, c'est le président de tous les Haïtiens. Mais cependant, Wendell, le pays a des institutions là-dedans, et chaque institution, en ce qui la concerne, gagne pour lui traiter contentieux selon lui-même. Le exécutif l'arrêté, par exemple, il invite 11 citoyens et il a une mission pour diagnostiquer et faire des recommandations, mais estimer que c'est une légèreté de sa part. Et je vais vous dire pourquoi. Majorité monde. D'ailleurs, le fait que notre école est un tunnel, son tunnel tuatoire,
suicidaire et comme de fait, au cas où on marquait lui dans le dialogue là. Le président désemparé. Il a coupé pied lui, il a coupé tête lui, il a coupé main. Donc c'est trop concrété, c'est bicoire. L'homme en président, pour demander véritable fer de lance, véritable moteur là, qui c'est premier ministre, Laurent Lamothe, pour demander pour bail démissionner, pour une commission faire recommandation, mandat au président, qui est seulement un premier ministre qui a aidé à coucher, qui a aidé à accomplir la mission que le peuple a confié là, qui a permis qu'elle fasse des réalisations d'envergure pour Bali, capitale, pour Bali et bilan, et pour demander pour camper. Est-ce que les recommandations sont recommandations objectives pour le président? Non, il n'est pas objectif pour lui. L'homme mandé un président pays pour révoquer un CEP, voyez CEP aller. Est-ce que, alors que nous en phase pour aboutir vers les élections, l'homme mandé pour voyer aller Kounia, qui l'a fait élection? Est-ce que vous commandez ça, son recommandation éclairée? Non, mais je propose son calendrier. Tout. Wendell Temdoubié, son calendrier pour moi-même magique. Irréalisable. Son utopie, ça y est. Ça, moi, là, en tant que quoi, c'est comme si Mdadou, c'est bonjour, amen, monsieur, dit, ex-cathédra. Tel va, ex-cathédra, pour le Sénat de la République, chambre des députés, ex-cathédra. Oui, 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 chef. Ça ne se fait pas ainsi. Nous, article 59. À 60-1 de la Constitution, il fait chaque pouvoir au grand monde. Mais cependant, il a appelé pour travailler ensemble. Et c'est là que je viens d'avoir Wendell. Parce que moi, je fais un petit peu tout à l'heure. Recommandation que la commission consultative a fait au président de la République, il fait au président. Mais cependant, le président a pour devoir, comme c'est lui-même le chef de l'État, sous l'obédience de recommandations que le Sénat République a fait. Le Sénat a demandé un dialogue institutionnel entre les institutions de l'État. Et ça, le Sénat a demandé. Ok. Donc, sous base, le président a pour prendre seulement recommandations que la commission fait là et pour inviter les autres pouvoirs de l'État, le judiciaire et le législatif, pour chita ensemble et puis pour débattre sur lui, pour garder les points faisables et les points qui ne sont pas faisables là-dedans. Les points acceptables et les points qui ne sont pas acceptables. Ok. Sénateur Lambert, question sur notre angle aujourd'hui. Nous sommes en crise depuis quelque temps. Et c'est un peu le monde comprendre, par exemple, qui est fort, ça ou le groupe des cinq, fait pour t'aider nous sortir dans l'impasse que nous avons aujourd'hui. L'impasse, c'est l'impasse, après les lois qui bloquent dans le Sénat, qui n'ont jamais voté. Il y a un groupe des six qui dit que les ne pas voter et pas rien qui a fait le voter. Mais il faut quand même que nous sortions de crise là. En plus, le monde qui a observé tout, quoi que le Sénat de la République, dont vous êtes membre, a une grosse responsabilité dans le blocage de la situation, dans la crise que nous y est aujourd'hui. Comment ou est nous sommes capables de sortir dans la situation ça sans se référer, par exemple, à des personnalités respectables et même respectées pour trouver une solution? Wendell, moi, quand même, saluer le travail que 11 personnalités, 11 citoyens, ça fait. Mais cependant, Wendell, pour la position qui fait, au lieu que nous jouions une solution à la crise, pour la position, ça a entré nous davantage dans la crise. Comment expliquer ça? Très bien. L'homme a dit pour renvoyer le président CSPJ, donc c'est président de la Cour de cassation. L'homme a dit pour renvoyer CEP, ou m'a dit pour renvoyer le premier ministre. Et 12 janvier Capvinla, selon la commission, c'est fin législature. Oui, mais bah, donc, ça veut dire qui ça? Ça dit que. Attendez bien, Wendell, ça veut dire qui ça? Ça veut dire par ricochet, départ du Parlement, renvoi du Parlement, fin de mandat du Parlement.
Mais bon, qui est fondamental, Wendel. Avant de dire fondamental, là, mais ce n'est pas la commission qui te prévoit que mandat, c'est constitution avec loi électorale. Oui, il y a le temps constitutionnel, le temps électoral. Mais il faut harmoniser tout ça. Mm-hmm. Mais la loi électorale dit quoi? C'est élu pour remplacer élu. Moi-même, je connais la position déjà. Constitution claire, article 95 est clair. Le sénateur est élu pour 6 ans, son mandat prend fin, patati patata, le deuxième le 2 janvier, 6e année mandat. Mm-hmm. La constitution est claire. Mais la loi électorale, malgré la loi électorale en dessous de la Constitution, mais cependant, c'est ça qui me fait appel, puisque monsieur dit, président pas droit de gouverner le pays par décret. Et s'il n'a pas gouverner le pays par décret, on seul genre pour le faire. C'est le Parlement pour être en fonction. Jusqu'à ce que l'élection soit faite, pour que le principe, ça a sacré, ça a respecté, que élu remplace élu. À ce moment-là, on a gagné. Tout ça au mandé en bas, il est capable de venir à ce moment-là. À savoir, dans le calendrier, l'aime garde calendrier, il est très sollicité par le Parlement. Oui, mais jusqu'en 2015, jusqu'en janvier 2015. Exact, il est très sollicité par le Parlement. Maintenant, est-ce que, si tant nous gagnons devant nous là, pour longueur calendrier, ça moyen, il y a bien temps et accompli tout démarche. Même dit non. Même quoi que, en toute sincérité, Wendel, je salue le travail de la commission, hein? Mais les recommandations de faire pour la plupart pas faisable. Mm-hmm. OK. Maintenant, d'après moi, qu'on est, lorsque vous croyez en tant que sénateur de la République que vous sollicitez nous et qu'il n'y a pas besoin de nous, est-ce que vous pensez que y a des hommes, tant que pour un collègue, Moïse Jean-Charles, par exemple, vous pensez que M. Paul tenir compte de n'importe. D'ailleurs, il a déjà dit que les remettre tout ça à la main. L'été de 12 janvier arrivé déjà pour le faire autre. La position du G6 et de M'Tandéo, ce n'est pas départ la mort seulement que vous avez. Vous avez départ du président Martelly. La position du G6, M'Tandé, sénateur bien-aimé Jean-Baptiste. Oui. Sénateur Moïse Jean-Charles Dili et un pile l'autre. Sénateur Jean-Baptiste dit que il n'est pas reconnaître le rapport ça, parce que selon lui-même, il a supposé faire état de démission. Président Martelly également. Exact. Donc, cependant, qui pays nous voulons, Mendel? Haïti. Même quoi, en toute sincérité. Haïti, chérie. Seule issue que nous étions là, Mendel, pour éviter que nous ne pas enliser nos crises qui n'en finissent pas, c'est dialogue institutionnel. Bon, en tout cas, c'est son proposition, son souhait qu'on gagne. Mendel, c'est lui-même obligatoirement pour qu'il fait. Parce que le président n'est pas capable de statuer. Sur simple recommandation d'une commission. Mm-hmm. Quelle qualité commission a pour le président statuer sur lui? Par exemple, Wendel m'a venu avoir rapidement. Mm-hmm. Comment faire partie en premier ministre? Logiquement. Et de façon. Hein? Ah ben, en Kembel pour moi, on va venir tout à l'heure. D'accord. Mais oui, en prend pause là, et puis on va dire, on va rappeler auditeurs et téléspectateurs le processus à suivre pour jeter un premier ministre pour faire partie. Sans problème. Voilà, maintenant, faire ça tout de suite après. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Wenceslas Lambert. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'atterri dans le MSC Plus, c'est comme si vous arriviez à l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans le MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Fait choix pour là, jeudi à même dans MSC Plus, sous route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit premier nécessité, dans marché Titoli, n'am jouez yon ma pompi. Ou même qui veut vendre, bon j'en produit cosmétique, marché Titoli, n'am jouez yon ma pompi. Produit encore en
en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoni, n'ap jwenn yon a bon prix. Hey, hey, yon ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Etia, en gros en détail. Huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Tout sans besoin, en gros en détail. Avec Titoni, en gros en détail. Yon est pi bon prix, en gros en détail. Depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'ap jwenn yon a bon prix. Depuis ces kay Titoni, produits yon pas expiré. Marché Titoni, n'ap jwenn tout produit. Wap jwenn marché Titoni nan building Fabnak, bon station Gonaïve la. Téléphone 813 14 57 à 59. Lo atterri nan MSC Plus, c'est comme si ou t'es rivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Nan MSC Plus, c'est nous qui gen plus variété produit dans tout pays. Nous gen exactement ça ou gen besoin. Plus toujours nan MSC Plus. Nous marier variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui vaut le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Viens faire choix pour là. Je dis à même dans MSC Plus. Sous route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le point est une courtoisie de MSC Plus, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Notre invité ce matin, le sénateur Wenceslas Lambert. Oui, sénateur, avant pause là, on te parle dire nous, on te parle rappeler nous qui sa constitution prévoit, qui j'en prévoit pour jeter un premier ministre. Wendell, il y a deux phases. Une phase à chaque fois qu'on a parlé de jeter un premier ministre, de mettre un premier ministre, bon, un seul côté vous tournez et regardez. C'est est-ce que il y a un parlement. Depuis que le Parlement Wendell, ou qu'a mis ton premier ministre, ou qu'a jeté ton premier ministre. Et deuxième côté pour garder, c'est garder la nature, le statut du locataire du Palais National. Est-ce que son président de facto, ou bien est-ce que son président légitime constitutionnel? Si son président de facto, ou qu'a mis ton premier ministre demain matin, jeté l'après-demain. Mais si son président constitutionnel, bon forme sacramentelle pour sa fête. Et forme sacramentale, c'est qui ça lié. C'est le président choisi, si pas un parti majoritaire au Parlement, il choisit en consultation avec le président des deux chambres. Consultation pour le président Vindili, est-ce que Mounsa sont monde qui a passé facile en bas ou bien est-ce que Mounsa n'a pas passé facile? C'est seulement ça, le président Vindili. Mais bah, vous songez, par contre, ça le défaite, non, dernièrement, là. Comment ça le défaite? Comment ça le défaite? Non, vous connaissez. Président Martelly, non, le cas de Conny. Non. Le cas de Conny, son cas. Non, mais c'est pas ça seulement. Son cas spécial. Non, c'est pas lui-même seulement. C'est-à-dire que nous avons fait environ un pile de temps, tout nous avons fait pour le ministre. Oui, le cas de Conny, c'est G16 qui t'a fait. Vous comprenez, c'est G16 qui t'a fait. Ok. Et G16, c'est pour responsabilité à nous mettre Conny. Mais, qu'est-ce que vous l'elle consulter président de chambre, c'est pour demander est-ce que Mounsa sont monde qui facilement capable en bas ou bien Mounsa il pas capable. Maintenant si président dit ou bien président yo dit Mounsa capable passer, eh bien c'est à ce moment-là que président voyait Mounsa en bas devant parlement. Constitution éliminée, 87 amendé a éliminé question de ratification. Pas rien ça encore. On a gagné sanction qui va le prendre de énoncer politique générale pour le ministre et choisir, désigner. C'est seulement ça qui est. Donc, ceci dit, si pour le ministre Amanda Lekouni, là, il a très facile pour désigner on l'autre premier ministre. Il a désigné, lui, mais il a gagné pour le présenter par devant le Parlement avec énoncer de politique générale, lui, 72 heures avant pour le voir sous plus cacheté par chaque parlementaire. Si le Sénat public a voué sous plus qu'acheter une copie de son énoncé de politique générale à chaque sénateur 72 heures avant. Oui, ça est théorie. Oui. Maintenant. C'est théorie.
séance ça doit finir par un vote. Qui quand on vote de confiance, si le Premier ministre a déposition, il arrive à convaincre l'Assemblée, il y a un vote de confiance. Il y a un vote de censure, si il n'est pas arrivé à convaincre. Et dans le cas d'un vote de censure, la procédure recommence. Oui. Maintenant, en ce qui a trait à un Premier ministre déjà voté et ratifié, le cas de la mode. Au niveau du Palais national, où mon président légitime et constitutionnel, et au niveau du Parlement, où mon Sénat qui l'a, et où mon Chambre des députés qui l'a. Mais ça, elle va en crise, sénateur. Hein? Elle va en période de crise. Wendell, écoutez. Qu'en période de crise, la Constitution est d'application stricte. Et le Parlement, c'est l'apanage de la démocratie, c'est le miroir de la démocratie. Dépend non pas de Parlement ou non anarchie, ou non dictature. Dépend pas de Parlement ou non arbitraire. Parlement, c'est lui-même qui apanage de la démocratie. Ah, maintenant, sénateur. Wendell, maintenant, la commission mandée démission du Premier ministre Lamothe. Le Premier ministre Lamothe n'est pas redevable au chef de l'État. Une fois qu'il choisit, il n'est pas chef là encore, non. Donc, l'unique chef qui gagne, le Parlement. C'est Parlement, au thème des articles 129-2. Nous comprenons ce qu'on veut dire. Wendell, s'il vous plaît. Au thème des articles 129-2, qui baille le droit d'interpeller au champ. 129-3, qui dit où il faut avoir 5 sénateurs qui appuient des moches mise en accusation, ou bien 5 députés qui appuient des moches là. Et 129-4, qui dit où il doit finir par un vote, qui casse censure ou bien confiance. Wendell, il a dit si le Premier ministre a eu un vote confiance, eh bien, on est capable d'interpeller dans 6 mois. Encore. Autrefois, c'était 1 an. Même quoi que, c'est pas facile. C'est facile de dire le départ du Premier ministre, mais ce n'est pas facile pour l'aller. Et s'il lui-même veut aller? S'il veut aller, là encore, au grand article 137-1 de la Constitution, à ce moment-là, le président de la République met fin à la fonction du Premier ministre en acceptant par celui-ci sa lettre de démission. Laisse ça, le Premier ministre a vu le Premier ministre démissionnaire et l'appliquer les affaires courantes. Wendell. Et si je dis, là, en ce qui concerne M. Lamothe, et si le président Martelly et tu as lui-même demandé M. Lamothe pour... À moins que le président t'a égaré. Il paraît d'une clairvoyance politique. Oui, et si entourage... Pour qui sa opposition, Wendell? Et si entourage lui demandé le président? Wendell, il y a le président de la République et ses conseillers. C'est ça, M'Djoui? Seul bagaille, m'a baille conseiller, conseiller le président bien. Conseiller bien. En plus, on parle du tout sénateur ou mon frère. Même mon frère Joseph Lambert, conseiller le président bien. Mais seul bah m'a demandé président, prends conseil dans mes conseillers qui ont expérience. Parce qu'au stade où nous en sommes, on conseille qui a expérience, conseil qui est utile. Mais si conseil n'a pas d'expérience, il a pour le président dans l'abîme. Mais est-ce que est-ce que le conseil n'a pas de prévoir que la commission ça, une fois qu'elle crée, il doit avoir une certaine liberté d'action et non, de recommandation. Mais ça a la voix de la majorité. Tout. Oui. Lorsque 25 conseillers, ou bien 10 conseillers, ou bien 30 conseillers, ou bien 8 conseillers, 6 dios, mettez commission, 2 dios non. Malgré compétence, clairvoyance, hein, ça me carré l'expérience politique que Dieu a gagné. Ou pas coûter l'eau, prend pas 6 là. Ou mettez-le. Et ça donne ce que ça donne. Et comme de fait, ça donne ce que ça donne. Oui, même quoi que. Est-ce que. À supposer que le président est là. Il n'a pas prend chance. Le président n'a pas prend chance pour le Premier ministre Lamothe aller. Il n'est pas bon pour lui. On va penser que pendant la parole. Lamothe est la garantie du président Joseph Michel Martelly. Ça veut dire quoi? Parce que c'est lui le porteur de qu'est-ce que dit ça? C'est lui-même qui baille le gouvernement capital politique. Qui baille, ça me dit qu'il y a un dividende politique. C'est lui qui permet que on monde parle de gouvernement, le bilan. Lamothe, c'est lui le porteur de bilan de ce gouvernement. Tout ça, président Martelly dit, sous pas un premier ministre compétent, dynamique dans le niveau Lamothe, on garantit que le palais jamais réalisé. C'est dans 36 mois.
nego fait tout ça au fait là pour la raison pour laquelle Wendell. Oui. C'est parce qu'on un premier ministre dynamique. Sous prend premier ministre ça, sous prétexte fallacieux. Hein? Et des revendications, je dirais, inutiles, vides de sens, pernicieuses et très tendancielles de la classe politique. Hallo Saolo et opposition Zoblod là que sauve le docteur Sauveur Pierre-Étienne et opposition Zoblod ou Brani. C'est parce que vous voulez pas son code dans coup. Ou enterrer tête tout, ou suicider pour tête tout. Donc, d'après vous. Garantie, président, dirait Laurent Salvador Lamotte. Gede sont des gros travaux qui engagent dans le pays. On prend par exemple le viaduc. Là, soudainement, viaduc sous Carrefour, pont, on dans la Caille-Panou, on prend dans la Caille-Panou, pont sous rivière et Fels, rivière de Pérédo, pont sous rivière gauche de la Gousseline, route la vallée de Jacmel et consort. Et sans oublier qui réel travail qu'a réalisé à travers la République là, ou estimez vous un premier ministre qui a fait ça pour aller, son gain lié pour vous, son perte lié pour lui. Et si il y a une clairvoyance politique, il doit connaître des propositions qui. C'est une proposition indécente. On va supposer que. Wendell, c'est une proposition indécente. On va supposer que pendant la parole là, on est là, si le président est engagé sur la voie de la mise en application des recommandations. Vous pensez que l'a pris ou la prime. Wendell, écoutez, moi dis où, si président, je n'ai aucun problème avec le président Anel Alexis Joseph. Je vais vous dire pourquoi. Je suis sénateur de la République. Il n'était pas ratifié au Parlement. Effectivement. Et les sénateurs du G6 ont raison. Nos conseillers ont voté. Nos juges ont voté. Pour la formation de la Cour, pour compléter la Cour de cassation, le nom du juge Anel Alexis Joseph Patladon. Et le sénateur bien-aimé a raison. L'elle dit, c'est un contrebande que le prend, Cour de cassation. Oui, il a raison. Mais Patladon. Il n'y a aucun problème pour ça. Il doit partir. Pour ne pas passer dans le chemin légal. Le CEP. Le CEP. Pas gain aucune raison pour m'en dévoyer CEP aller là, Kounia. Ou dit au papier que l'article 289, dans son esprit, l'esprit de l'article, pas dans le fond, esprit. Parce que dans le fond, il y a des organismes qui existent et qui n'existent pas encore. Longtemps. Qui existent et qui n'existent pas encore. Pas bien, c'est un CNG. Bah, depuis 1947. CNG sont bah, médiéval. Pour moi-même, médiéval, moyenâgeux, dépassé par le temps. Mais cependant, Wendell, nous sommes capables de prendre esprit. Avec esprit, nous sommes capables, eh bien, nous faisons un replâtrage dans ces pays-là. Pas besoin pour autant vous y aller. Dans ces pays-là, nous faisons un replâtrage et puis reconduire. Monde pour reconduire, changer, monde pour changer la donne, permettre que ces pays a toujours existé. Même pas d'accord, lors du vous pays aller de façon définitive, là, pas d'accord. Laurent Lamotte, premier ministre, formation de nouveau gouvernement. Oui, on peut avoir une formation de nouveau gouvernement avec Laurent Lamotte à sa tête. Et c'est là nous-mêmes nous parlons de replâtrage. Replâtrage supposé fait. Un remaniement ministère, un gouvernement de consensus avec la motte là dans la tête. Ou renvoyer au monde s'il pas travaille. Ou pas qu'à renvoyer au monde qui met ton pays sous qui reste là. C'est marché à reculons. Non, mais on parle du consacré les travail pour un secteur, mais pour l'autre, Wendell, mais pas de travail. Wendell, fais micro toi. Allez, 5e boucambélier. Dis-moi, prends le dernier paysan, dis, est-ce qu'on compte pour le ministre? Oui, moi, je suis là. Mais problème, opposition, monsieur. Ben il non, se là. Fait aimer de jour en jour. Il est connu de tout le monde à travers Gol, gouvernement la Kaïwa. Donc, ça, c'est son problème lié pour vous. Et tout complot, ça, ouais, Wendell, que monsieur a concocté l'opposition, hein, c'est pour éteindre du feu, pour attiser du feu. Par rapport aux élections, alors, vous l'avez dit? Par rapport aux élections. C'est empêcher monsieur pas arriver président de la République. Mais ça, oui. Parce que pendant ma parole avec vous là, dans le sondage, il révélé que c'est l'homme le plus populaire. Bon, t'as déjà connu que le bel passé. Sondage, c'est ça que fait au besoin de tuer monsieur dans l'œuf. Et c'est ça que fait au mandé. Non mais attention, mais renvoi du chef du gouvernement pour couper élan. À ce niveau, couper élan,
Il y a l'opposition, il y a les candidats, il y a la commission, il y aurait aussi la présidence. Commission, c'est quand on prend commission, à part de deux mondes retirés là-dedans. Quand on prend. Quand on sorti. Vous voulez me répondre ou bien même quand vous. Non, m'a dit Wendel. Ah ben allez-y. Je sorti en tant qu'opposition. Depuis longtemps, il a demandé départ à la porte. Non, à quoi elle rend chaud. Monseigneur Harris a demandé départ pour le chef premier ministre, chef gouvernement. Oui, mais il n'est pas dans la politique lui-même. Ah, il n'est pas dans la politique, mais il a demandé départ. Mais il est dans le gouvernement. Il est sénateur Fortuné, Gabriel Fortuné. Il t'a demandé départ. Il est même plus loin. Il demande l'État généraux, il demande Sam Dekarele, Assemblée constituante. Pour faire quoi, Wendel, Assemblée constituante? Pour changer de régime. Non, pour changer de constitution. Pour changer de constitution, changer de régime. Pas nécessairement. Ah, Wendel, a priori, Wendel, l'esprit qui est caché derrière ça, c'est pour changer de régime. Pour venir passer d'un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, à un régime exponentiellement, ou bien sèchement présidentiel. Donc ça, c'est information. À ce moment-là, Wendel, il n'y aura plus de question de premier ministre, chef du gouvernement. Il y aura seulement un président, un vice-président. Mes plans, monsieur. Et pour amoindrir le Parlement davantage, réduire qui c'est l'unique qui était. Et deuxièmement, après, au fin, réduit l'Assemblée. Pas oublier que c'est Azek qui était bon au CEP. Il y aurait-il dans la question ça? Si plaidoyer nous fait pendant voter la Constitution, c'est pour ces idées qu'il y a une voix délibérative en Conseil des ministres. Malgré ça, on a retiré le droit. C'est député Robinson Patrick qui vient chuchoter dans les oreilles, mais rapidement, me dit motion, président, montez. Et puis me protéger ça, me sauver lui. Pour que ces idées, les conseils interdépartementaux, eh bien, au capable de voix délibérative en Conseil des ministres. Donc, tellement là, on va faire un petit sénateur. Et parce que les auditeurs comprennent, nous, c'est le bagage qu'on a dit là. Tout. Quand la commission demande qu'il y ait des états généraux de la nation, d'après vous-même, parce que je me dis d'après vous-même. D'après tout politicien avisé, Wendel. Ok. C'est l'Assemblée constituante qui est cachée derrière ça. Donc il va le faire l'Assemblée constituante, oui, pour changer de régime. Avec le renvoi total du Parlement, même les 10 sénateurs qui resteront au Sénat de la République. D'après, qui est, hein, que y a concocté, hein, je vais le convertir, M. Sao, en agent. Hein? Ça me déclare en agent pour. En élu qui a transformé le Kounia en constituant pour capable statuer, hein, siéger en assemblée constituante pour faire une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Ok. Mes plans. Oui. Nous avons quelques heures là avant que le président de la République prononce définitivement sous question rapport là. Et est-ce que le sénateur Wenceslas Lambert parle de l'opposition jusqu'à ce que le mandat l'a fini, parce qu'il n'y a pas le temps encore devant, oui, dans quelques semaines, même si je dis qu'un élu porte éternellement le titre, et jusqu'à sa mort, est-ce que ça veut dire que vous allez retrouver un sénateur Lambert pendant les dernières semaines face au président Martelly? Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Seulement, comme élément de l'équipe, je dois dire au président ce qu'il doit savoir. Wenceslas Lambert n'est pas un chef ici. Mon seul chef, il est José Lambert. Je suis lambertiste, joséphiste. Pas un chef encore. C'est le seul chef, moi. Et deuxième chef, moi, madame. Pas un chef encore ici. Je dois dire, et pas l'homme bien qu'on nègre. C'est pas dire ça le besoin d'un non? C'est pour dire ça qu'à bon. S'il veut prendre, la prendre, s'il ne veut pas le prendre, affaire qui le concerne. Mais moi-même, conseil comme tu as le président, il doit réfléchir 799 000 fois avant de penser à renvoyer Laurent Salvador Lamotte. Lamotte, c'est garanti. Et qu'opposition veut arriver vers lui-même, mais on veut passer par Lamotte. Je prends la mode comme tremplin. Mais de qui opposition a parlé Kounia là, sénateur? Opposition Zoblod. Oui, mais bon, président, mais il n'est pas d'accord avec les recommandations non plus. Mais c'est ça, Mabdjou. Il n'est pas d'accord avec, mais qui ça a demandé? Départ, président Martelly. Mais Klemba Prot, c'est ça a demandé. Donc, ce n'est pas la mode comme fusible qui va sauter, non? Ça veut dire que même si président Martelly, d'après vous-même, voyait, ou bien, demandait pour le premier ministre Lamotte démissionner,
Il doit attendre ni que comment est l'opposition? Zoblo dès qu'on s'est sauvé Pierre Etienne, le docteur sauvé Pierre Etienne. Quand on est radical ou bien l'élu ou même pas quand on est Zoblo là. C'est qu'on s'est sauvé Pierre Etienne. Ok, donc opposition ça l'a continué à mobiliser jusqu'à ce que le président Matéli aille. Donc ça veut dire que ça veut dire que la application commission résultat ou bien rapport commission pas résoudre problème non. Jamais. Pourquoi ça me dit qu'a suggéré Wendel au chef de l'État? Sénat fait recommandation. Sénat a demandé pour que mon dialogue institutionnel qui prend rapidement avant les fêtes de Noël. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Avant les fêtes de Noël. Il s'agit des institutions. Donc ça veut dire que je dis en là. C'est la volonté politique, Wendel, qu'il faut avoir. Donc ça veut dire que je dis en là, avant le président de la République en prononcé, il dit c'est demain si tu veux. Mm-hmm. Avant de prononcer demain, sous demain vendredi, hein, sous rapport là, c'est à initier le dialogue institutionnel là. Il est obligé. Est-ce que d'après moi, vous avez garanti que s'il annonce le dialogue, ça veut dire un groupe des six là participe là-dedans? Wendel Temdjou, next six, il n'y a pas d'intransigeant. Mais il y a des départs. Il y a des départs. Ça fait des départs parce que par exemple, il y a un dialogue qui est enclenché. Un dialogue sincère, fidèle, qui est enclenché. Et si il y a un bon dialogue vous, qui est enclenché, M. Abinchita, ils ne sont pas des bêtes sauvages. Mm-hmm. Ce sont des hommes civilisés. Hein, qui est une position politique. Mm-hmm. Que nous-mêmes, sagement, nous n'avons pas droit d'antagoniser la position politique. Yo. C'est position. Yo. Même tout débat m'a fait dans le Sénat avec eux. Je ne vais pas contre position. Yo. Et c'est ça la démocratie. Nous avons une position, mais pas moi. Et puis, nous n'avons pas affronté. Nous faisons débat ensemble. Et finalement, nèg qui gagne majorité alguien par en assemblée c'est majorité. On va poser une dernière question. On va poser une question. On va le faire cocalan. Mm-hmm. Moi dit m'a toujours dit président ça bon pour le temps dire. Et pas ça pour faire le plaisir. Donc ce dialogue là c'est dialogue là pour le faire. Elle prend décision sans pas consulter les autres pouvoirs de l'État ou prend décision unilatérale. D'ailleurs ou mettez commission sans avis. Montesquieu, bah toi pouvoir, oui, c'est ça. Et Wendel. Même t'es, oui, dans l'esprit des lois. Oui. Et Constitution dit où, même... dans l'article 59, lié à 60-1, que chaque pouvoir a mon nom. Attends-moi, sénateur. Mais pendant 10 ans, moi, songe, je me détendais, président Dera, non seulement membre commission, dans le Parlement, le travail dans Kinam, M. Dera, t'es rendu en visite. Oui. Ah ben, président Sénat, tu es au courant? Président Sénat a une loi à une visite, mais ce n'est pas cautionné ça offert. Pas bien que son personnalité politique lui représente le deuxième pouvoir de l'État, qui c'est le Parlement, mm-hmm. en tant que président de l'Assemblée nationale. On va essayer de finir. On va essayer de finir, sénateur, avec dernière question de Balbo. Pour me finir, Wendel, m'a dit que m'a suggéré, président, avant de prendre quelconque décision, sous renvoi du chef du gouvernement, Laurent Salvador Lamotte, pour le réfléchir 595 000 fois. Mm-hmm. Ok. Sénateur Wenceslas Lambert, au grand position, affiché aujourd'hui, hein, mm-hmm. par rapport à M. Lamotte, mm-hmm. la présidence gagne position pâle, l'opposition radicale gagne position pâle, l'opposition tout court gagne position pâle. Observateur a posé tête aux questions sur le pays dans tout cela. Où est l'intérêt d'Haïti dans tout cela? Est-ce que l'opposition pour là, on va parler d'Haïti là-dedans? Est-ce que la présidence est pays? Est-ce que l'opposition est pays? Est-ce que tout le monde ne s'est pas fait parler après régler là? Est-ce que tout le monde ne s'est pas intérêt personnel qui a défendu, sénateur Lambert? Wendel Dindjou, pays est placé au cœur de toute discussion. Mais cependant, ces propositions qui plus fécondes, qui plus acceptables, qui plus utiles, c'est lui qui a passé. Qui proposition d'abord même? Proposition qui a sorti de dialogue institutionnel. Là. Tout autant que les institutions d'État, trois pouvoirs d'État, on va mettre tête ensemble, puis à rencontrer la classe politique dans toutes ses composantes, pour joindre une issue à la crise, je garantis que la crise n'est pas jamais solutionnée.
Seul sacré était nous Wendel, c'est que l'institution existait yo là. Et si yo là, c'est jodi à même pour responsable ça, yo mette yo ensemble pour jeune issue. Jean Doula, de par la mort, pas solutionner crise là. Au contraire, la prendre nous, la empirer, la pas aggraver crise là. Et pour me finir, la mort, c'est garanti, président Matéli. Et si M. Lamotte décide lui-même, bail président de la République, en démission? Il était doux ça d'ailleurs, Wendel. Malgré le bail démission, il reste pour liquider les affaires courantes. Ben, le président peut accepter ou ne pas accepter. Il n'a pas le pouvoir ça. Le président qui a accepté démission, il n'a pas accepté démission. Mais cependant, Lamotte dit ou bien, il n'y a pas aucun problème. Pourvu que le président Mandeli a bouche pâle. Ce sont des amis. Moi, je connais pendant mon sénateur, le ministre des Affaires étrangères, je connais lui. Donc, amitié, je suis là, je suis amitié politique. Il est capable de nous amitié. Un bon amitié. Après, deuxième, je viens. Mais pour qu'on y a, c'est sénateur qui a un rapport avec le premier ministre. C'est sénateur qui a un rapport avec le ministre des Affaires étrangères. C'est sénateur qui a un rapport avec le ministre du Plan. Mais après le deuxième lundi, j'ai même connu si Wenceslas, le docteur Wenceslas Asselberg, a un rapport avec le politologue Laurent Salvador Lamotte. Bon, sénateur, on a fini. Et on a une question. Oui. Est-ce que vous pensez que le monde dans le sud-est est d'accord avec la position? Le monde qui était élu? Mais pas oublier que Wendel, tout le travail nous fait, nous travaillons en pile pour le sud-est. Qui sa population a besoin dans le monde? C'est un changement de conditions matérielles d'existence. Le seul bagage que nous avons travaillé sur l'INPO pour finir atteindre ces courants électriques-là. Le problème de l'eau, Jacques Mel l'a résolu. Et presque fin de résoudre, dans la phase hein, finale pour le résoudre. Le problème, question pont qui a tué le monde sur la rivière Gauche-de-la-Gosseline, sur la vallée de Jacques Mel, pour construire, presque fini. Et en pile pont sur la rivière Péridou, presque fini. Mais il y a 22 millions de gouttes que faire avec l'Union européenne pour construire la gondole sur la rivière Gimbi, sous Balance. Dans pile l'hôpital Saint-Michel de Jacques Mel a construit avec deux salles d'opération. Deux salles d'opération. Donc nous faisons job nous comme élus. Nous faisons job nous. Nous payons près de 10 ambulances pour nous suspendre que le monde porte le monde sur question branca. Question, nous débrancas. Débrancas disait département. Question branca, ça finit dans le département nous. Parce que nous parlons le monde pour le monde sur branca. Et ça fait nous-mêmes, nous payons nous objectifs, nous faisons pile route. Et ma paix féliciter et remercier le ministre de TPTCA, Jacques Rousseau, hein, et le directeur général Li, ingénieur Kayo, ma remercier ingénieur Vilma, hein, ma remercier tout, et ingénieur Nader, pour l'effort que vous faites ensemble avec nous dans le Sud-Est pour permettre que nous fassions plus de réalisation. Oh. Je ne veux dire là, sous besoin de Codilic, hein, et sous besoin d'aller par exemple, et Kadiline, et sous tête Maca, ou mettre pour machine ou à Kadiline. Mais depuis que Dieu existe, depuis que le monde est mon zone, ça par exemple, quand on a machine. Donc, l'arrivée de la Timoun Kou, il y a comme son bête qui arrive sur. Avec machine, non? Ah oui. Mais nous-mêmes, nous permettons que nous ayons des bouchées qui faites et grâce à eux-mêmes que nous faisons. Moi, je crois que le monde sud-est, il est satisfait aujourd'hui. Ok. Merci. Merci, sénateur. Ou candidat encore? Oui, je suis candidat à ma réélection. Merci, sénateur. Et je suis satisfait, candidat. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin. Le sénateur Wenceslas Lambert, élu du Sud-Est. Merci de votre intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetti Tony.